Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma bibliothèque et je vous propose d'ouvrir un nouveau chapitre de mon grimoire sur les figures légendaires de la littérature. Alors allez-vous chercher un bon thé, calez-vous confortablement entre deux coussins et entrez avec moi dans l'univers des mythes littéraires. Le légendaire Tarzan, roi de la jungle, est peut-être le personnage littéraire qui est le plus rapidement devenu un mythe universel. Apparu au début du XXe siècle, sous la plume prolifique d'Edgar Rice Burroughs, l'homme singe au cri extraordinaire, élevé dans la jungle par des animaux sauvages, inspire le cinéma dès sa création et devient en moins d'un siècle l'une des figures les plus représentées du 7e art. L'origine du mythe de Tarzan est à rapprocher de celui de l'enfant sauvage. En effet, à la mort de ses parents, celui-ci est recueilli par une tribu de grands singes proches des gorilles, les Mangani, par qui il sera élevé jusqu'à l'âge adulte. Son histoire commence donc comme la plupart des enfants sauvages. Inspiré de la mythologie, comme le mythe des fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, ou de véritables cas historiques, cette expression désigne des enfants ayant grandi en marge de la société humaine, abandonnés à eux-mêmes à leur naissance ou dans leur prime jeunesse, et parfois élevés par des animaux sauvages. Ainsi naîtra à la fin du 19e siècle le personnage de Mowgli, sous la plume de Rudyard Kipling, dans le Livre de la Jungle, un recueil de nouvelles qui raconte la vie d'un petit homme recueilli et élevé par les loups. Mais si Mowgli incarne bien le mythe de l'enfant sauvage, Tarzan, élevé comme lui par des animaux, est aussi un héros adulte, qui symbolise véritablement la puissance animale de l'homme devenu seigneur de la jungle. Pour construire ce personnage mythique, Edgar Rice Burroughs s'est donc plutôt inspiré d'un de ses contemporains. En effet, en 1879, Albert Robida écrit un roman assez méconnu intitulé « Voyage très extraordinaire de Saturnin Farandoul », qui relate un naufrage au cours duquel Saturnin, âgé de 4 mois, échoue avec son berceau sur une île peuplée de singes. Adopté par la tribu, il grandit dans la forêt puis règne sur les animaux de la jungle, où il deviendra roi des singes, ce qui rappelle fortement le destin de Tarzan. Cependant, une autre histoire de la même époque, prétendument réelle cette fois-ci, a pu aussi inspirer Edgar Rice Burroughs, si l'on en croit les premiers mots de son œuvre, car il témoigne d'un fond de vérité l'ayant amené à écrire son roman. Je tiens cette histoire d'un homme qui n'était sans doute pas autorisé à la révéler. Un verre de vin lui a tout d'abord délié la langue, et je crois que par la suite, le scepticisme avec lequel je semblais écouter son récit l'a incité à le poursuivre jusqu'au bout. Quand il s'aperçut un peu plus tard qu'il m'en avait trop dit sans me convaincre pour autant, une bouffée d'orgueil lui monta à la tête et il sortit des pièces écrites. Un manuscrit moisi, et des archives de l'Office colonial britannique. Je n'affirmerai pas la véracité de cette histoire, car je n'ai pas été témoin des événements qu'elle relate. Mais le fait que dans mon propre récit, j'ai donné au personnage des noms fictifs, prouve assez que je crois sincèrement à son authenticité. Les pages jaunies et couvertes de moisies du journal intime d'un homme mort depuis longtemps, tout comme les archives, concordent parfaitement avec le récit de mon amphitryon. Je vous rapporte donc cette histoire telle que je l'ai péniblement reconstituée à partir de ces différentes sources. Même si vous ne pouvez lui prêter foi, vous m'accorderez qu'elle est unique, remarquable et captivante. Cette histoire serait donc celle d'un certain William Charles Mildin, 14e comte de Streatham, qui aurait passé 15 ans dans la jungle entre 1868 et 1883. Selon le magazine Man's Adventure de mars 1959, Mildin avait écrit ses mémoires, dans lesquelles il racontait qu'à l'âge de 11 ans, il aurait fugué de chez lui pour proposer ses services comme mousse sur un bateau du nom d'Antilia qui partait pour l'Afrique. Le navire fit naufrage sur un rivage du Gabon entre Pointe-Noire et Libreville, et William fut le seul rescapé de l'accident. Si l'on en croit son récit, il aurait été adopté par des singes bienveillants qui lui auraient apporté nourriture et protection pendant des années.
Il aurait ensuite rencontré des indigènes avec lesquels il vécut quelque temps, puis finalement les aurait abandonnés pour regagner l'Angleterre et retrouver ses titres et son domaine. Mais même si beaucoup doutent de la véracité de cette histoire, il est possible qu'Edgar Rice Burroughs s'en soit inspiré pour le personnage de Tarzan. C'est en 1912 que le romancier américain Edgar Rice Burroughs publie son roman d'aventure Tarzan of the Apes, traduit diversement en français Tarzan seigneur de la jungle, Tarzan seigneur des singes, des grands singes ou chez les singes, faisant de son héros un des mythes littéraires les plus célèbres. À la fin des années 1800, sur le chemin de l'Afrique occidentale britannique où il est envoyé en mission, John Clayton est abandonné avec son épouse sur une côte sauvage par les mutins du navire sur lequel il avait embarqué. John et Alice Clayton, comte et comtesse de Greystock, se retrouvent ainsi échoués sur une plage, abandonnés à leur triste sort. Ils construisent un abri dans la jungle et Alice donne naissance à un fils nommé John, comme son père. Mais sa mère décède alors que le petit John n'a qu'un an, et peu de temps après, son père est tué par un singe nommé Kerchak. Le bébé est alors adopté par Kala, une jeune femelle singe, qui le baptise Tarzan, ce qui signifie peau blanche. Tarzan grandit avec les Mangani, pleinement conscient qu'il est différent de sa famille, mais ignorant son héritage humain. Vers l'âge de 10 ans, il découvre l'abri que ses parents biologiques avaient construit, ainsi que quelques-uns de leurs biens, et utilise leurs livres pour apprendre seul à lire et à écrire. Cependant, il est incapable de parler le langage des hommes. Tarzan grandit ainsi dans la jungle qu'il parcourt de liane en liane, devenant un féroce chasseur et un imposant guerrier. Et lorsque le sauvage Kerchak tente de le tuer, Tarzan remporte le combat et prend sa place en tant que roi des singes. À 18 ans, il voit pour la première fois des êtres humains, des Africains de la tribu Mbonga. Mais ce premier contact s'avère tragique, car l'un d'eux tue sa mère adoptive. Fou de rage, Tarzan se venge avant de hurler sa souffrance dans la jungle. 2 ans plus tard, il découvre un groupe de chasseurs de trésors échoués sur la côte, les protège des dangers de la jungle et sauve une jeune Américaine prénommée Jane. Il tombe rapidement amoureux, et quand Jane quitte l'Afrique, Tarzan décide de la retrouver en partant pour les États-Unis. Pendant le voyage, il apprend à parler français et anglais, rasoir, et essaie de développer des manières civilisées. À son arrivée, Tarzan découvre que Jane est fiancée à un homme nommé William Clayton, son propre cousin, qui devait hériter de ce qui lui appartient légitimement. Finalement, Tarzan retrouve ses titres et épouse Jane. Mais partagé entre la vie primitive de la jungle et les codes stricts de l'aristocratie anglaise, ses futures aventures le ramèneront vite vers la vie sauvage. Je vais rentrer chez moi. Le succès de cette œuvre fut si grand que l'auteur publiera en tout 27 volumes des aventures du roi de la jungle. Certaines aussi improbables que Tarzan et les croisés, Tarzan et la cité interdite, ou Tarzan et la légion étrangère. D'autres auteurs reprendront ensuite avec succès les aventures de l'homme singe, comme Philip José Farmer, Barton Verper ou John Bloodstone, et Tarzan deviendra aussi le héros de nombreuses BD et comics. Au début du XXe siècle, le mythe de Tarzan est donc bien établi dans la culture populaire et va encore être largement diffusé par le 7e art. Tarzan chez les singes est un film américain sorti en 1918 qui constitue la première adaptation cinématographique du roman éponyme d'Edgar Rice Burroughs, publié en 1912, et fut réalisé par Scott Sidney, seulement 6 ans après la parution du roman. D'autres tomes seront ensuite adaptés comme Le Retour de Tarzan en 1920
réalisé par Harry River et George Merrick avec Jean Pollard, ou Tarzan et le Lion d'Or en 1927, qui présente la particularité d'avoir pour vedette James Pierce, le propre gendre de Riceboro. Tarzan l'homme-singe, du réalisateur américain Van Dyke, sort en 1932. C'est dans ce film que retentit pour la première fois au cinéma le fameux cri du roi de la jungle. C'est aussi le premier volet de la série des 12 Tarzans que tournera le célèbre Johnny Westmuller jusqu'en 1948, comme Tarzan et sa compagne, en 1934, qui met en scène pour la première fois le personnage de Cheetah, créé pour le cinéma, un chimpanzé qui deviendra le fidèle compagnon de l'homme-singe. Quant à Johnny Westmuller, il restera hanté par ce rôle et finira sa vie interné dans un asile psychiatrique, où, paraît-il, il faisait encore retentir le cri de Tarzan. Le même titre, Tarzan l'homme-singe, est choisi par John Derek en 1981, pour son adaptation avec Miles O'Keefe et son épouse, Beau Derek. En 1984, sort Greystoke, la légende de Tarzan, un film d'aventure britannique réalisé par Hugh Hudson, mettant en scène Christophe Lambert dans le rôle de l'homme-singe. Le film parodique Georges de la Jungle est réalisé en 1997 par Sam Weisman et interprété par Brendan Fraser. Il est inspiré d'une série télévisée d'animation américaine créée par Jay Ward et diffusée entre le 9 septembre et le 30 décembre 1967 sur le réseau ABC. Tarzan, sorti en 1999, est le 59e long métrage d'animation et le 37e classique d'animation des studios Disney. Inspiré du légendaire roi de la jungle, le personnage est animé par les équipes de Glen Keane, qui s'inspirent des mouvements de skateboard, de snowboard et de surf pour peaufiner l'animation de Tarzan. Enfin, en 2016, sort La Légende de Tarzan, un film d'aventure américain coproduit et réalisé par David Yates, qui est le 48e long métrage portant à l'écran le personnage de l'homme-singe depuis 1918. Alexander Skarsgård est ainsi le 21e acteur à interpréter Tarzan au cinéma, tandis que Margot Robbie est la 16e Jane Porter. Ainsi, le légendaire Tarzan, roi de la jungle, est peut-être le personnage littéraire le plus représenté au cinéma avec Robin des Bois. Apparu au début du XXe siècle, sous la plume prolifique d'Edgar Rice Burroughs, l'homme-singe au cri extraordinaire, élevé dans la jungle par des animaux sauvages, est devenu un véritable mythe qui inspire toujours les créateurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle figure légendaire de la littérature.